Ah mais vous êtes là! Oh mince, je me suis endormi. Il faisait tellement bon devant la cheminée, tellement chaud. Oh, c'était tellement agréable. Pardon, excusez-moi. Mais faut que je me dépêche, il y a Julie qui va arriver. Mais je vais allumer la lumière parce que c'est super important d'allumer la lumière. Hein. Regardez comme c'est beau. Oh, la petite cabane aussi, c'est tellement joli. Oh, pendant ces temps de fête de Noël, moi j'aime trop les lumières. D'ailleurs, je crois... Ah, j'ai oublié la grande lumière. Hop, on va tourner un peu, on va voir. Est-ce que ça prend? Ah voilà, c'est bien. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui, c'est super important, les enfants, parce que nous allons parler de la lumière, la vraie lumière, d'accord? Alors, allumez toutes les lumières chez vous et aussi, vous pouvez allumer la lumière dans votre cœur pour louer le Seigneur, d'accord? On se retrouve tout de suite après ce temps de louange et en attendant, je vais faire un petit peu de rangement avant que Julie arrive. Allez, à tout de suite! Alors, je pense que là, c'est pas mal, ok. Enfants, bonjour les parents, s'il y a des parents qui nous regardent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, la banane et que vous êtes prêts pour louer Jésus de tout votre cœur. Alors là où vous êtes, levez-vous pour Jésus, dansez pour Jésus, chantez, criez vraiment, sentez-vous libre. Jésus, il aime quand vous le louez et quand vous l'adorez. Et on va dire justement, j'abandonne mes tristesses. Ce matin, on abandonne nos tristesses à Jésus pour sa joie. Et c'est le premier chant qu'on va chanter. J'abandonne. Thank you.
laisser place à la joie du Seigneur. Et on va prendre ce chant que tu ne connais peut-être pas. Et je t'invite à bien écouter les paroles, mais à danser, à chanter si tu le connais. On y va. Yeah.
Tu es insondable, tu es incomparable. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre personne comme toi. Et juste, quel bonheur, quel privilège de pouvoir te louer ce matin, là où nous sommes. Que nous soyons beaucoup, pas beaucoup, toi tu écoutes notre louange. Et ça, c'est extraordinaire. Tu écoutes quand on a des galères, quand ça va pas. Quand on est triste, quand on est joyeux, tu nous écoutes et tu es à nos côtés. Et Jésus, cette matinée est pour toi. On veut tout te donner ce matin. Juste prends tout de nous, Jésus. Cette matinée est pour toi. Tu es la star de cette matinée. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Jésus, prends tout de nous ce matin. Prends notre cœur. On veut te donner notre cœur ce matin. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te
Tu peux juste te tenir devant Jésus et c'est pas juste un chant qu'on chante comme ça. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est une décision. C'est une décision que tu dis à Jésus, je te donne mon cœur. C'est-à-dire je te laisse le contrôle de ma vie. Même des fois quand je comprends pas, même des fois quand ça me plaît pas, je te donne tout. Je te donne le meilleur de moi-même. Ma vie, me voici devant toi, telle que je suis. Est-ce que tu peux juste penser à ce que tu chantais, dire à Jésus ce matin, je te donne tout. Et peut-être pas seulement ce matin, mais pour le restant de mes jours. Tous les jours de ma vie, je veux te donner mon cœur. Jésus, c'est pas seulement aujourd'hui qu'on chante ça, mais c'est tous les jours de notre vie. On veut prendre cette décision de te donner notre cœur, de te donner notre vie. Même si on ne comprend pas, on veut juste tout te donner. Je peux dire encore une fois, mon cœur brûle pour toi, Jésus. Et mon cœur, comme un cri, brûle pour toi, comme une prière. Et mon cœur brûle pour toi. Brûle
toi. Et mon cœur brûle pour toi. Yes, les enfants, j'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous êtes toujours en forme, que vous avez toujours cette joie. Gardez cette joie dans vos cœurs. Gardez cette joie que Jésus met dans votre cœur. Gardez-la précieusement. Et soyez bien attentifs pour le reste du culte. Jésus va encore vous parler. Vous allez encore découvrir plein de belles choses. Et alors soyez bien attentifs. Ok ? Et nous, on se dit à la prochaine. Bisous ! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour les enfants et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Mais ouais, c'est trop bien, c'est Noël, c'est carrément génial. J'espère que vous vous réjouissez à fond pendant ces fêtes que vous venez de passer et notamment ces prochains jours où vous allez être tranquille avec vos parents. Et oui, et nous on est tellement contents d'être là avec vous, car c'est un jour spécial aujourd'hui, nous on fête Noël aujourd'hui. Ah oui, nous on fête Noël aujourd'hui. Mais justement, pour fêter Noël, oui, rien de mieux que l'instant post-it avec Kelly. Et oui, j'ai entendu dire qu'elle était au marché de Noël. Ah bon? Oui, on regarde. Mais regardons ça rapidement. Bah vous êtes là vous, mais vous m'avez suivi, mais c'est pas possible ça, je peux plus rien faire tranquillement. Bah je rigole. Et bienvenue les amis, on est à Mulhouse au marché Noël et ça va juste être excellent. Oh, ça va être génial, on y va. Comment ça l'instant post-it? Bah ouais Kelly. Mais non, mais l'instant, mais je le fais plus tard. Mais si, l'instant post-it. Mais je le fais plus tard, on va profiter, viens, on attend que la nuit elle tombe un petit tu peu. Tu crois qu'on a le temps? Mais oui, on va avoir le temps, viens, on va aller au marché Noël. Attends, j'enlève le micro, on y va. Bon Kelly, c'est bon, t'as fini ton tour là? Ouais, j'ai bien profité, ouais. Ouais, mais attends, les enfants, ils attendent l'instant post-it, hein, faut se dépêcher quoi. Ah oui, bon bah ok. T'as oublié ou quoi? Non, j'ai pas oublié, mais non, tu rigoles ou quoi, j'ai pas oublié. Ah bon, on dirait, hein. Ouais, mais viens, on va boire un chocolat chaud, un truc tranquille dans un café. Ah ouais, parce que là ça caille, hein. Oh voilà, ça caille là, ouais. Ouais, mais c'était bien quand même, mais ça caille, ouais. Allez, ça caille. Viens, on y va. Allez, on y va. Trop beau le café. Pardon, hein, mais je bois quand même parce que ouais, voilà, il fait froid dehors. Ah, excellent le café, hein. Oui, l'instant post-it, ça vient, on se calme. Notre verset du jour, c'est Matthieu 2 au verset 2. On va lire Matthieu 2, 2. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. C'est qui « il » Ils arrivèrent à Jérusalem. C'est qui ce « il » Eh bien ce « il », tu t'en doutes bien, ce sont les rois mages. Attendez, c'est une bonne question ça. Où est l'enfant? Où est Jésus aujourd'hui, dans Noël, dans les fêtes de fin d'année? Où est-ce qu'il est? Eh mais viens, on va le chercher! Parce que la question que je te pose aujourd'hui, où est Jésus dans tout ça? Elle est valable pour aujourd'hui, pour Noël, pour Nouvel An, pour demain, pour après-demain et pour toute ta vie. Jésus? Jésus! Non, c'est pas ça. Ah bah on l'a trouvé! Il est là! Bon, ils auraient pu lui faire un peu plus de place quand même. Et le sauveur du monde, ils auraient pu lui faire un truc un peu plus grand, non?
Et est-ce que cette année, on ne laisserait pas un peu plus de place à Jésus? Est-ce que cette année, on ne lui ferait pas même énormément de place dans nos vies, dans nos cœurs, et surtout pendant ces temps de fête? J'ai envie de dire, ne laisse pas Jésus dans la petite crèche qui lui est réservée chaque année. Les trois mages qui sont venus voir Jésus dans cette petite crèche, ils sont venus de loin, de loin, de loin, de loin, de loin, de loin. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres simplement en suivant une étoile dans le ciel. C'est ouf! Est-ce que toi, tu es prêt à chercher Jésus comme ces trois mages qui sont allés le chercher de l'autre bout du monde? Le plus incroyable dans cette suite de l'histoire, c'est que les rois mages qui ont fait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ce petit bébé dans une crèche, ils ne sont pas venus les mains vides. Non, ils ont apporté des cadeaux. Souvent, moi, je cherche Dieu, je cherche Jésus dans le but de recevoir quelque chose. Une réponse à une prière, une guérison de maladie, un miracle, je sais pas. Toi, peut-être aussi, quand tu cherches Jésus, c'est uniquement pour recevoir. Est-ce que tu te donnes la peine de chercher Jésus, non pas pour recevoir, mais aussi pour apporter, surtout pendant ces temps de fête? Qu'est-ce que tu vas apporter cette année à Jésus? Quels vont être tes cadeaux pour ce petit bébé? Et ce petit bébé qui n'est plus resté un petit bébé. Heureusement pour nous, Jacqueline. Jacqueline, pourquoi Jacqueline? Quel cadeau vas-tu apporter cette année à Jésus? Les mages, ils sont venus avec des cadeaux splendides. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Heureusement pour nous, ce petit bébé n'est pas resté dans la crèche. Il a bien grandi. Il a grandi sur terre, parmi nous, parmi les hommes. Et beaucoup plus tard, il a donné sa vie pour toi et pour moi sur la croix. Alors cette année, oui, la fête de Noël, les fêtes de fin d'année, c'est génial. Il y a les décorations, il y a les cadeaux, il y a le manger, c'est super, c'est vraiment trop chouette. Mais cette année, n'oublie pas l'essentiel, n'oublie pas le plus important. Celui qui est venu sur terre il y a presque 2000 ans de cela. Il est venu sur terre pour te sauver, toi et moi. Alors, rends-lui la place qui lui est due. Fais-lui de la place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ces fêtes de fin d'année. Ah ! Bon, on est quand même mieux à l'intérieur, on va pas se mentir. Ces rois mages dans Matthieu 2:2, ils se sont quand même donné vachement beaucoup de peine pour trouver Jésus. Est-ce que nous, on se donne autant de peine comme ces rois mages-là pour chercher Jésus? Est-ce que nous, on serait prêts à faire des kilomètres et des kilomètres à d'autres chameaux en suivant une étoile, en ne sachant pas où on va, pour chercher le roi des rois? Je te laisse répondre à cette question, j'ai pas la réponse. Ces rois mages, ils ont pas cherché quelque chose pour recevoir quelque chose. Ils ont cherché quelqu'un pour l'adorer. Ils sont venus chercher ce petit enfant qui venait de naître pour lui offrir des cadeaux, pour l'adorer. Je disais tout à l'heure, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Je t'encourage à faire de la place pour Jésus. Pendant cette période de fin d'année, pendant ces temps de fête, mais aussi à continuer pour la nouvelle année qui arrive, de là tout au long de ta vie, à replacer toujours Jésus au centre de ta vie. Matthieu 2 au verset 2. Matthieu 2:2. Là, je ne pouvais pas plus faire plus facile. Matthieu 2:2, facile, ça tient sur un post-it. Là, Brillo, t'as pas d'excuse. 2:2. 2:2. En 2:2. Oh, tu le fais en 2:2. Mais t'es un génie. Tu le fais en 2:2. En 2:2. Oui, et je vous souhaite quand même de bonnes fêtes à toutes et à tous. Merci pour ce verset, Kelly. Et n'oubliez pas, c'est facile, ça tient sur un post-it. Tout facile. Alors vous pouvez le garder et bien sûr le partager. Hein. Oui, et comme d'habitude, on vous encourage, parce qu'il est très très bon de le faire, d'en discuter avec vos parents et d'ailleurs de le relire aussi, ensemble, ce serait trop bien. Et oui, Jirem. Oui. Aujourd'hui, on a dit que c'était un jour spécial. Ah ben bien sûr. Donc, on a une histoire spéciale. Exactement, Julie, tu as raison. Alors, nous vous invitons les enfants à vous installer correctement là où vous êtes, et à ouvrir bien grand vos oreilles, parce qu'aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors écoutons. Il nous dit, mais je suis où, moi? Mais je sais pas du tout où je suis, mais... Waouh! Mais cet endroit est vraiment magnifique! Je sais pas où je suis, mais c'est beau, hein! Oh! J'ai jamais vu un ciel comme ça! Aussi étoilé! Oh! On dirait
On dirait même que quelque chose d'important va se passer. C'est incroyable. Bon, c'est peut-être joli, mais... Par contre, c'est sombre. Hein. Je vois pas du tout où je mets les pieds. Bon, je vais essayer d'avancer, mettre un pied devant l'autre, sans tomber. Et gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite... Aïe, 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 ouïe, ouïe. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas te faire mal. Oh, une étoile. Comme tu es belle. Oh, merci, c'est vraiment gentil. Et de rien. Tu t'es cognée contre une de mes branches. Tout va bien, dis-moi. Une de tes branches, oui, ça. Bon, j'ai un peu mal, mais toi, je t'ai rien cassé. J'ai cogné assez fort, quand même. Non, ne t'inquiète pas, je n'ai rien de cassé. Ouf, tant mieux. Mais dis-moi, étoile. Oui. Pourquoi tu n'es pas tout là-haut dans le ciel avec les autres étoiles? Eh bien, pour te dire, je ne brille pas encore assez. Je viens de naître et d'apparaître. Tu viens d'apparaître et tu viens de naître? Oui. Alors, ça veut dire que la nuit ne fait que commencer? Oui, la nuit vient à peine de tomber. Elle ne fait que commencer, comme tu dis, et on dirait qu'elle va être spéciale. Spéciale? Mais pourquoi? Et pour qui? Alors, je ne sais pas encore. Je viens de naître. Il faut attendre un petit peu, tu vois. Mais attendre quoi? Que je brille encore un peu plus, que je grandisse. Ah oui! Mais dis-moi, étoile. Oui. Pourquoi est-ce que les étoiles naissent? Pourquoi elles apparaissent dans le ciel? Eh bien, généralement, les étoiles naissent pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Mais quel genre de nouvelle? Bien, je ne sais pas encore pour quelle nouvelle j'ai été créée. Mais si j'ai été créée, c'est parce que mon créateur l'a voulu. Ton créateur? Et c'est qui ton créateur? Au commencement de toute chose, mon créateur s'est appelé Elohim. Quoi? Elohim. Elohim. Et est-ce que c'est lui qui envoie la bonne nouvelle? Il en est sûrement l'origine. Bah pourquoi ne vas-tu pas lui demander? Lui demander quoi? Bah lui demander pour quelle nouvelle tu as été créée et quelle est cette bonne nouvelle. Oh mais oui, je pourrais peut-être lui poser la question. Oui? Oui mais... Bah... Bah quoi? Mais je ne sais pas où il se trouve. Oh. Ou comment le trouver. Oh c'est dommage. Veux-tu que je t'aide à le chercher? Ensemble, nous le trouverons sûrement. Oh, mais c'est une superbe idée, oui! Oui! Tu vas vraiment m'aider? Mais bien sûr! Et j'ai moi aussi envie de savoir quelle est cette bonne nouvelle. Oh. Allez, en route! Par ici! On y va! Waouh! Mais Juliette qui rencontre et qui parle à une étoile, c'est incroyable! Ah oui, c'est une histoire, Julie et les enfants, spéciale pour un jour spécial. Bon, ok, mais cette petite étoile est perdue. Hein. J'espère qu'elle va retrouver son chemin quand même. Oui, en tout cas, on l'espère tous. Hein. Mais tout ce que nous savons là, c'est que c'est Elohim qui l'a créée pour annoncer une bonne nouvelle. C'est déjà bien. Oui, mais Elohim... Ça veut dire quoi? Ah ben oui. Mais Elohim, cela veut dire Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a créé pour annoncer une bonne nouvelle. Oui. Bon, on ne sait pas encore laquelle, d'accord. Oui, on ne sait pas encore laquelle. Et en plus, elle est perdue, elle cherche son chemin. Ben, en tout cas, Julie et les enfants, nous espérons que Juliette va réussir à aider cette étoile à retrouver tout simplement son chemin. Penses-tu que nous sommes sur le bon chemin? Je sais pas, c'est difficile de trouver le chemin quand on ne sait pas dans quelle direction on va. Penses-tu que nous aurions dû tourner à droite? Ou alors non? Devrions-nous continuer tout droit? J'en sais rien du tout. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, où ça? Bah, par terre, là, regarde. Oh, on dirait... Mais... Morceau de bois? Oui, et à côté, il y a plein de copeaux de bois. Comme si quelqu'un avait scié un tronc de bois. Exactement. Oh. Aïe. Tu as entendu? On dirait que quelqu'un s'est fait mal. Il a l'air de souffrir. Mais il a vraiment crié très fort. Viens, allons voir. Oui, allons-y. Oh, viens, regarde, je pense que c'est par là. Aïe. Ah là là.
Oh là là, c'est un monsieur. Il s'est fait mal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Rémi? Mais... Qui ça? Mais moi, c'est pas Rémi. Moi, je m'appelle Caleb. Oh bah pardon, monsieur Caleb. Alors? Mais c'est juste que vous ressemblez beaucoup à mon grand frère qui s'appelle Rémi. C'est bizarre, ça. Rémi? Oui. Ah bah ça, c'est un drôle de nom. Bon. Mais quoi? Mais c'est quoi cette tenue bizarre? Pourquoi tenue bizarre? Bah oui. C'est mes vêtements, quoi. C'est mon pyjama. Oh. Eh ben, pour des vêtements, c'est vraiment des vêtements bizarres. Alors, ouais. Bonsoir, monsieur Caleb. J'ai jamais vu ça avant, moi. C'est la mode, quoi. C'est mes vêtements. Bonsoir, monsieur Caleb. La mode? N'importe quoi. Mais... Bon, peu importe. Bon, alors. Où est-ce que moi j'en étais? Aïe. D'ailleurs, je me suis fait mal au doigt. Étoile. Oh. Oui, c'est bizarre. Je souffre. On dirait que monsieur Caleb ne t'entend pas. Ça fait vraiment mal. Oui. Attends, je vais essayer quelque chose. OK. Oh là là. Mais c'est incroyable. Il n'entend rien ou quoi? Il t'entend pas. Non mais n'importe quoi. Et on dirait même qu'il te voit pas, c'est fou. Rémi. Mais pourtant, je brille un peu quand même, non? Oui. Non, mais n'importe quoi. Attends. Monsieur Caleb, est-ce que vous voyez cette étoile qui brille à côté de moi? Non. Une étoile. Bah non. Une étoile qui brille, là, quand même. Bah, c'est normal, c'est la nuit qu'il y a des étoiles. Mais enfin... C'est logique, il y en a partout, regarde, lève les yeux. Mais enfin, mais vous, levez les yeux, mais... regardez l'étoile qui est à côté de moi qui brille. Non. Mais là, j'ai trop mal au doigt, là. Oh. Là, je souffre. Oh. Mais oui, je suis concentré sur la douleur de mon doigt. Oh là là. J'ai mis un mauvais coup et je me suis fait mal au doigt. Oh là et puis, en plus, jeune fille. Bon, j'ai du travail à finir. Oui. Mais... J'ai pas le temps. Mais quel genre de travail à finir? On m'a demandé de construire une mangeoire pour une étable. Une mangeoire? Bah ouais. L'autre jour, les bœufs ont cassé la mangeoire. Bah ils ont essayé de s'asseoir dessus, ils ont mis des coups de sabot et bah tout a craqué quoi. De s'asseoir dessus? Bah ouais. Oula. Bon, vous allez voir celle-ci. Je vais tellement bien la construire qu'on va pouvoir même l'utiliser pour mettre un petit dedans. Pour le faire pour un berceau, quoi. Un berceau? Attendez, vous voulez mettre un bébé dans une mangeoire? Oui, voilà, c'est ça. Un berceau pour mettre un bébé dedans, ben. Mais alors? Bon, allez, du balai. J'ai du travail, je n'ai pas toute la journée. Allez, oust. Ok, on s'en travailler. Va. On s'en va, au revoir, monsieur. Bon, alors, viens, on s'en va, et toi? Où est-ce que j'en ai fait? Raison, on s'en alors, va. Il faut que je fasse attention quand même de ne pas taper sur le doigt. Aïe, j'ai mal. Bon, je crois d'abord que je vais voir le médecin, et après je continue. Mais voilà qu'il rencontre un menuisier en plein travail, ce fameux Caleb. Oui, c'est rigolo. Ouais. Il ressemble vraiment à Rémi, hein. Ouais, je croyais aussi que c'était lui. Bon, en tout cas, il paraît pas très commode, ce Caleb, hein. Je dirais même un peu grognon, un peu ronchon, hein. Mais quand même, attends, Julie, je veux dire, ce pauvre Caleb, quand même, en travaillant, il s'est quand même tapé avec un marteau, aïe, sur le doigt. Oui, t'as raison. Mais ça fait vachement mal. Oui, c'est bon, vrai. Bon, alors peut-être que toi, Julie, ça ne t'est jamais arrivé de te taper avec un marteau sur le doigt parce que tu ne fais pas de bricolage. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire, Julie, et vous les enfants, ça fait super mal. Oui, d'accord. Ouais. Moi, je me suis déjà coincé le doigt dans un tiroir et je comprends que ça fait très, très, très mal. T'as raison. Mais quand même, c'est un peu bizarre ce qu'il est en train de fabriquer. Une mangeoire pour les animaux, pour qu'ils puissent venir manger, ça, je comprends. Mais en même temps, un berceau, ça, alors là, je comprends pas. Oui, c'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu, c'est un peu bizarre. Hein. Mais en tout cas, on voit que Caleb, il est déterminé à travailler toute la nuit pour finir son travail. Hein. Il est déterminé. Bon. Bon, en tout cas, je suis curieuse de voir la suite parce que là, vraiment, je comprends pas grand-chose. Ouais, moi non plus. Mais bon, allez, regardons la suite. Oh là là, pas très aimable ce Caleb. Oui. Et puis quelle idée? Une mangeoire pour mettre un bébé dedans. Berk. Avec tous les crottes d'animaux et la bave d'animaux. Berk. Et je suis désolée, Étoile, que tu n'aies pas pu lui parler. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais pourtant, on te voit bien. Tu existes. Ben tu oui, je brille quand même un peu. Dommage, je n'ai même pas pu lui dire que je suis née pour une bonne nouvelle. C'est vrai. Et avec tout ça, on sait toujours pas où on va.
Oui, toujours pas de traces de mon créateur. On devrait continuer à marcher. Oui, continuons notre route. Hein? Continuons notre route. Quoi? Continuons notre route. Ah oui, oui, d'accord, mais c'est bizarre. Je t'entends vraiment mal. Ah bon? Mais c'est normal. Tu es monté plus haut dans le ciel. C'est vrai? Mais oui. Et puis, waouh, tu brilles plus qu'avant aussi. Ça veut dire que tu as grandi. C'est vrai. Que je vois un peu mieux la Terre en plus. Oui. Waouh. Et d'ailleurs, je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, je vois trois hommes sur des chameaux. Ah bon? Des chameaux? Oui. Ils ont beaucoup de bagages. Ah ouais? Ils sont chargés, ces chameaux, dis donc. Oh. Et je vois parmi les bagages trois boîtes qui brillent. Oh, mais moi, je vois rien. Waouh. Des boîtes qui brillent. D'autres étoiles, peut-être? Non. Ces trois boîtes brillent moins que des étoiles, quand même. Ah. Alors, ce sont peut-être des souvenirs ou des cadeaux? Oh, oui, peut-être. Mais pour qui? Vu que ce sont des étoiles, non, des boîtes qui brillent, elles doivent être pour quelqu'un d'important, non? Oui, tu as raison. Mais attends, c'est bizarre. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, je ne sais pas, mais en tout cas... Oh, ils se rapprochent. Quoi? Oui, ils se rapprochent d'ici. Oh. Ils vont même dans notre direction. Quoi? Oh, on dirait qu'ils nous suivent. Oh, mais... Mais peut-être qu'ils te suivent, toi, Étoile. C'est peut-être toi qui es en train de les guider. Oh là là, j'arrive plus à parler. C'est peut-être toi qui les guides. Mais oui, c'est sûrement ça. Oh. C'est peut-être pour ça que le Créateur m'a créé. Pour guider ses hommes. Mais oui. Et si ça se trouve, tu vas sûrement en guider d'autres. Oui, tu as raison. C'est génial. Waouh, waouh, waouh. Je vois des bergers qui arrivent de l'autre côté. Quoi? Oui, et qui viennent dans ma direction aussi. Des bergers? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va où? Je sais. Quoi? Continuons tout droit. Tu es sûre? Oui, j'en suis certaine. Ok. Allez, viens. Je te suis. Waouh, Jérém. L'étoile a grandi et brille de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense qu'elle commence à comprendre de plus en plus pourquoi elle a été créée. Oh, cette histoire me plaît. Moi aussi. Bon, elle sait qu'elle doit guider ces personnes qui arrivent. Mais n'est toujours pas au courant de la bonne nouvelle. Mais Julie, je me dis, et les enfants, si cette étoile grandit de plus en plus et qu'elle brille de plus en plus, eh ben, c'est simplement pour qu'elle puisse se faire voir de plus en plus aussi. Pour que tout le monde puisse la voir. Mais t'as raison. Hein? Et si elle doit être visible de loin, guider des bergers et des personnes vers un endroit précis, ça doit être une nouvelle extrêmement importante. Mais ouais, mais tu as raison, Julie. Oh là là. Alors, ce qu'il faut absolument, oui, c'est qu'on puisse regarder la suite. Allons-y. Étoile. Oui? Top! Faisons une pause. J'en peux plus de courir, je suis essoufflée. Mais nous ne sommes plus très loin. Nous ne sommes plus très loin. Hein? Nous ne sommes plus très loin. Ah bon? Mais oui. Mais je vois rien autour de moi à part... Qu'est-ce que c'est? Une sorte de grotte là-bas? Ou qu'est-ce que c'est? C'est une étable. Une étable? Et attends, qu'est-ce qu'on entend là? Ben, on dirait un... Un bébé. Mais oui, c'est un bébé qui pleure. Il vient de naître. Mais oui. Mais attends, mais il devrait pas être ici. Il devrait être dans un hôpital pour bébés ou dans une chambre bien confortable où il fait chaud. Mais pas ici, avec tous ces animaux qui sentent mauvais, toutes ces crottes et tout ça. Je crois que je comprends. Qu'est-ce que tu comprends, Étoile? C'est ça, la bonne nouvelle. Ce petit bébé. C'est ce petit bébé que ton créateur Elohim a envoyé? Mais oui. Regarde-moi, je brille de plus en plus. C'est pour ça que j'ai été créée. Mais oui, c'est évident. J'ai été créée pour guider ces trois hommes et ces bergers vers ce petit bébé. Mais c'est vrai. Et ta lumière, ça fait presque mal aux yeux. Mais alors comme ça, tout le monde te verra. Oui, tu as raison. Avec la lumière, je peux avertir tout le monde de la bonne nouvelle de ce petit bébé qui est né. Un enfant nous est né. Oui, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce petit bébé? Il doit l'être, puisque le Créateur m'a créé pour lui, afin que je le montre aux hommes. Oui, c'est ça. Il t'a créé pour que tu puisses... briller pour lui, et pour que les gens voient sa lumière. Et je me demande bien comment le bébé s'appelle.
Je suis sûre que c'est le plus beau des prénoms. Oui. Un prénom merveilleux. Merveilleux. Admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Consolateur. Consolateur. Prince de la paix. Waouh. Oh, il sera appelé le sauveur du monde. Le sauveur du monde? Oui. Mais moi, je veux le rencontrer, le sauveur du monde. Je veux le connaître. Étoile. Oui. Je vais aller le voir de plus près, le sauveur du monde. Je vais aller le rencontrer. Je vais aller le voir. Je vais être proche de lui et le connaître. J'y vais. Avec toi. Allons-y. Oh là là. Je suis où? Oh, c'était un rêve. C'était un rêve. Juliette. Ah, mais t'es réveillée? Hey, c'est le matin! Oh, quelle erreur! C'est le matin! Mais oui! Bah oui! Bah oui, c'est le matin de Noël! Oh, bah oui, c'est Noël, c'est Noël! Oh là là, t'as pas l'air bien réveillée, toi, hein? Oh, si, j'arrive! Allez, viens, dépêche-toi! Viens voir tous les cadeaux! Ouais, j'arrive! Trop bien! Ah, mais tu sais, j'ai fait un super beau rêve! Ah ouais? Oh là là! Et tu me raconteras? Ouais, je te raconterai. Et de quoi ça parlait? Ah bah, en plus, t'étais dans mon rêve. C'est vrai? Oh, t'étais habillé en... Un super-héros, genre Non, t'étais habillé... Le Père Noël? En berger, t'étais habillé, je te dis. Ah, en berger? Ouais, c'était bizarre. Bizarre? Mais mon rêve, il était trop chouette. Bon, et tu me raconteras plus tard. Bah, attends. Viens, on va voir les cadeaux. Ça parlait d'une étoile dans le ciel et d'une bonne nouvelle. Bah, ça a l'air super joli, en tout cas. Ouais. Bon, allez, viens me raconter ça. Ben, autour des cadeaux. Ouais, génial. On y va. Une étoile? Oui. Qui brillait? Et qui parlait? Qui parlait? Ça, c'est bizarre. Waouh! Jérém, c'était pour ça. L'étoile a été créée pour montrer le chemin aux hommes. Exactement. C'était pour annoncer la naissance de cet enfant dans l'étable. Mais Jérém, elle est bien belle, cette histoire, ok. Mais c'est un rêve. À la fin, Juliette est réveillée par Rémi. Et donc, elle a rêvé. Et on ne sait pas qui est cet enfant. Enfin, elle est jolie, mais voilà. Mais Julie, cette histoire... Oui. Ce rêve... Oui. Ne te rappelle rien? Ben... Réfléchis un peu. Une étoile qui brille. Une étable. C'est ça. Des bergers. Oui. Oh! Je sais! Et vous, les enfants, est-ce que vous le savez? Je sais. Est-ce que vous savez de quoi parlait cette histoire? Bon, allez, Julie, dis-le, va. Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé avant? C'est l'histoire de Noël! Mais oui, exactement. Cette histoire avec cette belle étoile, c'est l'histoire de Noël, la venue de Jésus qui est venu pour nous, pour chacun d'entre nous. Waouh! Mais c'est ça, la bonne nouvelle, c'est la naissance de Jésus! Exactement! Et lorsque nous fêtons Noël, c'est pour nous rappeler qu'un jour, Jésus est venu. Il n'est pas venu dans un grand château, il est venu dans une étable. Et ça, c'est quand même extraordinaire, non? Oui, il est venu pour nous. Oui, pour Donc, nous. On fête sa naissance, son anniversaire, quoi. Exactement. Wow. Et c'est tellement important, les enfants, de se rappeler de cela. Noël, bien sûr, on reçoit des cadeaux, on est content, il y a de la lumière partout, il y a peut-être, on peut s'habiller différemment, on mange de bonnes choses, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que Jésus est venu pour nous, d'accord? Et rappelez-vous, dans cette histoire, il y avait ces trois hommes, ces trois mages qui sont venus apporter des cadeaux à Jésus, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'était des cadeaux qu'ils voulaient offrir à Jésus parce qu'ils voulaient dire à Jésus « Bienvenue, toi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs ». Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, mais toi et moi, que pouvons-nous donner à Jésus? Réfléchis un petit peu. Ok, moi j'ai emmené un cadeau. J'ai emmené un petit cadeau et je me suis dit, ouais Julie, et je me suis dit « Qu'est-ce que moi je peux donner comme cadeau à Jésus ?» Alors en réfléchissant, peut-être, allez Julie, toi, si tu as un cadeau à donner à Jésus, toi, tu lui donnerais quoi? Un peu plus de temps à lire sa parole. Mais excellent! Et ça, ça lui ferait super plaisir. Je pense que c'est un des cadeaux qu'il préférerait. Il y a aussi ce cadeau que tu pourrais donner à Jésus, de dire, « Ok, Jésus, comme cadeau que je veux te donner pour ton anniversaire-là,
c'est de te donner un peu plus de temps. De temps à te parler, à te prier. Ou alors, peut-être de prendre plus de temps, ce cadeau que j'aimerais te donner, c'est plus te louer. Prendre des chants de louange et plus te louer et te remercier pour tout ce que tu fais. En tout cas, toi, tu peux te dire quel cadeau je pourrais donner à Jésus. Mm-hmm. Eh bien, on t'invite simplement à y répondre, d'accord? C'est tellement important, d'ailleurs je vais le mettre là, c'est tellement important de se rappeler que Jésus attend de nous un cadeau comme les mages sont venus donner des cadeaux à Jésus. Alors, ce que nous t'invitons aussi à faire avec Julie, c'est pendant ces fêtes, alors on est le 26 aujourd'hui, nous t'invitons à peut-être aller voir tes voisins, aller voir des amis, aller voir quelqu'un de la famille et de pouvoir aussi leur partager cette bonne nouvelle de la venue de Jésus. D'accord? Allez, on t'encourage. Ah oui, en tout cas, quel beau moment, celui de Noël, pour ensemble prendre du temps aussi en famille, avec nos frères et sœurs, nos parents, et puis relire cette histoire aussi dans la Bible. Ah, ça fait tellement de bien. Et Jérém, si on retrouvait les petites infos maintenant. Ok, c'est parti. Yo, hello les amis, c'est encore moi et c'est à moi de vous faire les petites infos. Alors j'aimerais remercier deux personnes qui nous ont envoyé des jolis dessins. Merci à toi Eunice pour ces deux beaux dessins. Hey, waouh, tu sais super bien me dessiner, hein? Et Juliette aussi, elle est pas mal. Julie et Jérémy, waouh, tu sais trop bien dessiner. Bravo à toi et merci de nous avoir envoyé tes dessins. Merci aussi à Ella. Et tu sais aussi trop bien nous dessiner. Et comme je me reconnais dans ce dessin, et je reconnais aussi Juliette, hein, ma petite sœur, bien sûr. En tout cas, merci à toi, Ella, pour ce beau dessin. À tous ceux qui aimeraient nous envoyer des petits dessins, n'hésitez pas à nous les envoyer sur ce site ou cette adresse postale, bien sûr. En tout cas, pour tous ceux qui ont aussi envie de nous envoyer un petit mot d'encouragement, un petit bonjour, un petit de tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, je suis toujours preneur pour du chocolat aussi, hein. Quand vous voulez. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas aussi de partager toutes ces histoires sur notre chaîne YouTube, d'accord? Et de pouvoir, bien sûr, liker aussi, ça serait trop génial. Allez, moi, je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Bisous, bisous. Encore merci les enfants pour ces beaux dessins que vous nous avez envoyés. Merci beaucoup. Oui, merci. Et merci aussi à tous les enfants qui ont participé au concours de dessin de Noël. Ouais. On en a reçu des très beaux. Merci beaucoup. Et on est en train de réfléchir, de voir. Et vous saurez la semaine prochaine qui a gagné le concours. Voilà, il y aura 3 gagnants dans tous les dessins que nous avons reçus. Et nous sommes en tout cas très heureux pour tous ceux qui ont participé à ce concours-là. Mais bon, Julie, je crois que nous arrivons à la fin. Eh oui, mais j'ai une bonne nouvelle aussi. Ah bon? La semaine prochaine, on est là. Ah ben oui, bien sûr, on est toujours là. Non, moi, je croyais que tu voulais m'offrir un cadeau. Je me suis dit, waouh, trop bien. En tout cas, les enfants, on vous fait un gros bisou. Nous vous souhaitons, même si c'est déjà passé, mais en tout cas, un joyeux Noël. Et n'oubliez pas que Jésus, il est venu pour toi, pour moi, pour nous. D'accord? Gros bisous. Joyeux Noël. À la semaine prochaine. Bisous.